Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélisère. Aujourd'hui, c'est vendredi 4 août 2023. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Et surtout, bah, une idée de ce qui va le passer après-midi dans rendez-vous info que Jean-Robert Philippe est prêt à le présenter. Il faut dire que température anti-Jean Clément, il pas fait trop chaud. Et ici, Washington, moi-même, tout venu dans Washington. Alors que Jean-Robert va le présenter et rendez-vous depuis dans Washington d'ici, moi-même, dans Maryland. Et nous avons tout partout. En Australie, nous avons deux envoyés spéciaux. Nous avons parlé de Gentil Augustin Junior avec Valerio Saint-Louis qui continue à parler nous de l'Australie, qui a parlé de compétition qui a déroulé en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est la 9e édition. Hein? Haïti par la donne, mais compétition a continué. Jodia, c'est pratiquement un jour de repos. Et on joue d'ajustement tout, et parce que gain pays cap qui quitte côté OTA, cap retourner la caillou, gain l'autre pays qui qualifie yo même y a aller dans l'autre ville, parce que nous connaissons que non seulement la compétition est faite dans deux villes, dans deux pays, Nouvelle-Zélande avec Australie, mais même au niveau Australie, nous voyons que gain plusieurs villes, notamment gain Haïti qui a joué dans Brisbane, après y a Adélaïde. Et puis, dernier match, on a joué dans la ville Perth. Donc, dans le moment où on a parlé là, nous avons envoyé spécial nous, qui dans la ville Perth, il y a même tout. Il y a fait trois villes, il y a pour faire. Il y a pour faire Melbourne et il y a pour faire Sydney. Donc, VOA Creole, très présent, tant que Jean-Robert Philippe tout est très présent, lui-même, et hier, dans l'occasion, comparution ancien président Donald Trump, il y a pour nous retourner. Et sous ça, nous saluons Madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis, qui avait nous, et tout l'autre monde autour, et Léon Junior, Orest, qui avait nous, Rod Pierre, nous content de ce que tout le monde sait, branché avec nous. Mais on a commencé avec des notes tristes. Premièrement, on a annoncé nous la mort président, ancien président Boniface Alexandre. Il est mort alors qu'il était 87 ans. Il était dirigé pays en 2004 et 2006. Et donc, nous pouvons gagner date funéraire, donc il était gagné 87 ans, le mourir. Donc, déjà, nous connaissons l'information ça. Et puis, Fon dit que l'amour s'est arrivé la veille funéraire, ancien Premier ministre Jean-Jacques Honorat, lui-même qui était mort 26 juillet avec ce passé-là, il était gagné 92 ans. Il était Premier ministre de 1991 à 1992. Nous songeons après coup d'État, président Jean-Bertrand Aristide là. Le 30 septembre 1991, c'est lui qui était, après ça, qui était vine premier ministre. C'est une grande figure dans la question de lutte contre pour droit monde. Jean-Jacques Honorat, c'est un agronome, mais il était surtout connu comme un militant droit monde. C'est même génération avec Gérard Gourgue. C'est une génération qui pralait et qui quitte un paquet d'histoire derrière. Donc, mais je dis à nous, pas faire l'histoire, n'a fait nouvelle. Donc, Jean-Jacques Honorat, enterrement, c'est pour demain. Li fête, donc la veille jour que le bras l'enterrer c'est l'amour Boniface Alexandre. Et puis l'autre décès qui fait actualité qui continue à dominer l'actualité c'est journaliste vétéran Liliane Pierre-Paul qui est directrice qui était directrice programmation radio télé Kiskeya. Et donc en pile hommage qui continue à bail en pile côté à bail hommage en pile institution à prendre Liliane Pierre-Paul. Yon militant de vieille date, yon journaliste connu, et puis présentatrice vedette et nouvelle 4A, et semaine ça a tout gagné Marvel Dandin, qui c'est directeur général Radio Télé Télé Kiskeya, qui lui-même, l'ité bail en conférence de presse pour le capable expliquer situation, hein, qui j'en que ça difficile pour yo, et l'ité expliqué qui j'en que son gros coup pour Radio Kiskeya, mais, il dit obligé qu'un même Jean le solité mouri Sony Bastien qui c'était trio Sony Bastien Liliane Pierre-Paul avec Marvel Dandin. Eh ben Sony allait Liliane Pierre-Paul avec Marvel Dandin était Kimbé, mais Jodia il arrive que Marvel Jodia doit Kimbé alors que Sony allait dans un premier temps Liliane 31 juillet allait et Konya et c'est Marvel Dandin cap Kimbé Konan pour compter. Donc c'est trois gros décès qui arrivaient dans pays là que nous devons signaler pour vous. Premièrement, ancien président,
ancien qu'on y a défunt président Boniface Alexandre et puis a été gain Jean-Jacques Honorat qui était mort lui-même 26 juillet et 31 juillet c'était Liliane Pierre-Paul. Qu'on y a rentré aux États-Unis hier c'était un moment très spécial ici à Washington côté que président ancien président Donald Trump lui plaidé non coupable pour accusation que la justice retenue contre lui. Et donc ça retenu ça il a retenu contre lui c'est est-ce que l'État il fait complot pour renverser résultat élection 2020 qui était by Joe Biden comme président pays et te gagné un gros échafouré yon attaque qui était faite sous congrès que considéré comme bastion ou bien fondation même et démocratie américaine nan. Et y aurait ça son institution régalienne parce que c'est yon nan côté démocratie américaine nan, et ben a déroulé parce que c'est là que gen vote qui prend au niveau Sénat au niveau chambre députée et c'est institution ça Kokokenchen institution ça que yon groupe moun que ta présenté comme et partisan ancien président Donald Trump et ben yote attaqué et pile déblosay sans t'écouler c'était 6 janvier 2021 et alors que élection novembre 2020 te bay président Joe Biden actuel président comme vainqueur donc c'est première fois ancien président répond à accusation fédérale qui accusé le d'être était comploté pour changer résultat élection président Trump comparaît devant un juge dans le tribunal fédéral Washington dans 2 jours après la justice impliqué lui et puis lancé 4 chefs d'accusation contre lui. C'est avocat spécial département justice Jacques Smith qui représentait l'État sous dossier. Si un jury joint lui coupable, il est capable de passer plusieurs années dans prison. Donc prochaine audition, prochaine comparution, eh bien, il est pour fête le 28 août à 10h du matin, donc toujours dans Washington DC. Et puis, M. Trump a obligé de comparaître et physiquement, sauf que si le juge-là décidait autrement. Donc, ce n'est pas par visioconférence, mais c'est même gens que ça a fait hier. Nous sommes capables et sur plusieurs chaînes télévision américaines, côté que le président sorti New Jersey, il prend avion, il descend dans l'aéroport. Après ça, il y a un cortège qui mène dans Washington DC, tout pas trop loin. Et VOA Creole, pas trop loin, la Voix de l'Amérique. Et il était passé avec le couloir côté que même la presse pas était capable et joindre mais avant qu'elle était venu tout il fait des il était écrit sous compte lui pour le dire compte lui sur internet que eh ben yo pral arrêter pour mounio il dit c'est pour yo que yo pral arrêter donc c'est une situation qui compliquée grand pile le monde qui toujours poser questions pour qu'on est-ce que si président gain droit et poser candidature les que li en bas toute bagaille ça yo. Mais grand pile analyse qui dit que au lieu que ça t'a grioté dans Renault Meli ou bien dans sondage et ben ouais que sondage de préférence a monté surtout que en question de primaire dans parti républicain pour connait qui est qui va représenter parti républicain dans élection cap fait année cap vin là 2024. L'autre point dans l'actualité, c'est l'autre gros point dans l'actualité internationale, c'est la question Niger. Coup d'État s'est fait contre le président Mohamed Bazoum. Et la communauté internationale a réagi pour condamner le coup d'État. Il y a une discussion qui a fait sur nous, est-ce que c'est coup d'État ou pas coup d'État. Mais les spécialistes ont dit que leur renversé un président au pouvoir, c'est un coup d'État effectivement. Donc, CDAOA, les mêmes qui sont ces communautés économiques et Afrique de l'Ouest, non seulement ils ont demandé pour junte militaire rétablir président Bazoum sous pouvoir, ils ont mis des sanctions sur eux et puis ils ont bâti un ultimatum et ultimatum ça a privé dimanche Cap Vinila. Et il y a parlé de grand pile monde qui a parlé de intervention militaire pour venir et combattre la décision que j'ai là pour renverser président et comme dimanche c'est ultimatum non d'ak n'a pas gardé qui ça pour le fait semaine ça tout est gain évacuation qui était faite
surtout la France, pays européen, au sortissant européen, la France en tête, la France avec l'Italie en tête, eh bien, ils fait évacuation et tout ressortissant, ils ont gagné dans le pays. Ça. Pendant ce temps, le militaire continue à prendre de grandes décisions et il y a l'autre pays tout, qui ont même, qui ont cap dirigé par des jeunes militaires. Et il faut dire que ça fait septième coup d'État qui fait. Et non, Afrique de l'Ouest là. Donc, il y a deux pays, Burkina Faso, yo coré coup d'État. Donc, son situation qui est très compliquée. Et dans le moment où on a parlé là, produits première nécessité, produits alimentaires, yo vient de monter 17 rotins. 17 rotins parce que le prix a augmenté à cause de sanctions, alors que le jeune militaire a dit que lui-même, il est capable de faire face à la sanction, il a surmonté la sanction, mais le premier signe a montré que c'est très difficile parce que les produits alimentaires dans le Niger, surtout dans la capitale, là, Niamey, eh ben, situation compliquée et les gens ont commencé à plaindre. Et les gens qui vivent dans la capitale, ils ont même commencé à plaindre. C'est eux qui commencent à payer cher coup d'État ça avec sanction que CDAO prend contre pays Niger. Et puis l'autre point dans l'actualité dans l'international là toujours, eh ben gagne une attaque avec drone pendant la nuit là contre une base navale russe dans la mer Noire là qui endommagé un bateau de guerre pays la Russie. Ça c'est d'après deux sources et alors que Moscou lui-même lui déclarait que l'été repoussé attaque là. Donc là gagne deux. Alors que là, il y a deux informations comme ça. Il y a une information qui sorti bon côté Ukraine, il y a l'autre information qui sorti bon côté la Russie. La presse lui-même pas gagné. Il y a une source indépendante dans ça pour dire qui ça qui vrai dans la question et qui ça qui pas vrai. Donc là comme ça la presse lui-même ça le fait, il juste présenté deux informations, c'est ça que nous gagnons comme information. Et puis dans le pays la Russie, jodia, et la justice condamnée yon gros membre dans l'opposition politique russe là, Alexei Navalny, pour le passer 19 ans en prison pour yon question pénale. D'après Navalny qui a 47 ans, et à tout moun fanatique li yo, yon dit que son coup monté, son accusation yon monté de toute pièce, pour non seulement pour yon capable kembe Navalny en prison, mais tout pour yon kembe loin de la politique. Fon dit que Navalny représentait plus gros opposant président russe Vladimir Poutine qui en dans pays a et il était déjà à puger une peine de 11 ans et demi et prison pour fraude d'après la justice russe pour fraude et l'autre accusation encore bon c'est des accusations que yo même tout yo rejeté. Et puis n'a pas entré dans quelques points dans l'actualité dans le pays d'Haïti, à côté de toute la mort que je parle là, il y a d'abord en Haïti, d'après CAD, environ 83 cas kidnapping enregistrés dans le mois de juillet 2023. Parmi les 23 dans Baratibonite, sans oublier 51 ressortissants étrangers, bandits kidnappés, sortis le mois de janvier pour arriver côté Napalé là. Et nous connaissons dans le cas, c'est Alix Dorsinville. Les mêmes qui toujours en bas main kidnapper yo et yo fait président et Joe Biden connaît ça grand pile réaction qui fait et grand pile démarche qu'a fait pour joindre libération infirmière ça et nous t'es capable de sauver au créole plusieurs moun qui yo même t'étaient bénéficiaires de dame ça qui yo même a demandé justice qu'a demandé libération. Et puis l'autre point dans l'actualité, c'est le juge Walter Wessel Voltaire, qui est juge d'instruction dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse, là, qui est même qu'on y a, il fait référence à provision légale qui permet que l'étende Premier ministre Ariel Henry, donc il voit une ordonnance par le commissaire gouvernement pour être capable non seulement tendre et Premier ministre Ariel Henry, mais tendez plusieurs membres dans le cabinet et l'autre gros membre dans l'administration publique là, dans le cadre d'enquête que l'a mené. Donc, il y a des gens qui font référence à l'autre monde qui était tenté déjà, et ou bien au perdu du job, ou bien contrat au fini, ou bien au quitté ça. Mais n'a pas suivi qui j'en suite qui prend le grain à ordonnant ça.
Et puis l'autre point qui toujours dans l'actualité, c'est Kenya qui voulait prendre tête une force multinationale pour venir aider la police nationale à croire et la sécurité dans le pays d'Haïti. Il y a un pile d'opinion, notamment dans le journal après-midi, on a parlé de l'ancien Premier ministre Joseph Jout, on a parlé de tout et ancien Premier ministre Capé, Evans Paul, que Evans Paul, par exemple, dit qu'on a que, il n'y a pas qu'à dire force à pas venir parce qu'il y a des gens qui ont vu une situation qui est très difficile. Mais il n'y a pas qu'à dire pas venir, mais il dit que c'est, il y a tout, il est frustré, côté que nous-mêmes, Haïtiens, nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble, et il croit tout que, il y a une force internationale pas jamais capable de régler le problème. Il y a peut-être aider nous, mais ça, c'est Evans Paul, c'est pas moi qui dit. Et puis, on a fini avec un petit boule, et nous connaît que, d'un coup, nous, et jeudi, c'est un jour de repos, un jour pour ajustement dans le cadre 9e édition mondiale football féminin qui a déroulé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc, mais ça qui gagne affiche demain, la Suisse a joué contre l'Espagne, la Hollande a joué contre l'Afrique du Sud, suivre l'Afrique du Sud, bien que la Hollande tout voulait montrer que les grands pile force. Et puis, gagné yon Japon avec Norvège. Dès que Norvège tremblait. Et puis, a gagné dimanche. Ça, c'est match pour demain samedi. Mais dimanche, a gagné yon gros tonton match. Yon gros tonton match. Spécialiste, yon dit, c'est le choc des huitièmes de finale. C'est entre la Suède avec États-Unis. États-Unis, c'est double champion du monde. Et là, jouer avec la Suède. La Suède, 4 bails problème, sérieusement, dans la compétition. Il y a grand pile à tout dans le monde. Donc, ce match que nous ne pouvons pas jouer. Et d'accord avec spécialistes qui ont même connu. Ils ont dit que c'est le choc des 8e de finale. États-Unis contre et la Suède. Et puis, nous avons gagné tout dans l'occasion pour nous capables de voir une interview que envoyé spécial nous, Valérie Selu, gagné avec Swedenski Joseph alias Kiki, qui c'est un joueur sélection nationale là, qui lui même l'a joué dans le pays la Russie. Et ben c'est une interview que moins et encourager nous garder grand pile émotion la donne. Et dans après-midi n'a pas petit extrait un reportage qui fait son interview, mais n'a pas pour occasion pour nous intégralité interview ça, il faut le faire. Et puis gagner tout et gentil Augustin Junior, monsieur allons au restaurant côté que monsieur mangeait un plat kangourou. Nous sommes monsieur te montrer nous kangourou yo bête ça qui gagne 2 pieds long, 2 pieds derrière long, 2 pieds devant au coude et puis yo gon que tout. Donc gentil après le manger après le montrer nous qui gens que le manger kangourou. Monsieur dit kangourou bon et c'est lui qui mange lui. Et donc tout ça c'est pour dire nous que après-midi a eh ben rendez-vous info ou pas doué rater rendez-vous info après-midi avec Jean-Aubert Philippe. Nous souhaitons tout nous passer un bon week-end. Merci d'être que nous branché dans moment ça et nous souhaitons que nous branché après-midi avec Jean-Aubert Philippe pour présentation dernière édition rendez-vous info pour ce matin. Moi c'est Jacques Lebelizer, c'est un plaisir pour nous être avec nous. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Continuez à rester branché sur toute plateforme VOA Creole parce que nous voyons ça qu'a fait là. Tout côté, gros événement, VOA Creole présent. Merci nous-mêmes, parce que nous-mêmes tout, nous encourager VOA parce que nous sommes toujours présents. Merci pour attention, nous, merci pour fidélité, nous. Passez un bon week-end. Moi, c'est Jacqueline Belizère qui était parlé avec nous depuis Maryland et après-midi. Nous avons un reportage pour plus ou moins, nous, qui j'en cas 8e de finale, pral déroulé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Bye bye tout le monde.